Welcome to the 11-a-side WSL, sponsored by Knight Sword, the finest blades for shaving. Neuvième journée de la 11-a-side des Cincinnati qui avait créé la sensation la semaine dernière en battant New York 1-0. Se rendait à Salt Lake City, ça va plutôt bien commencer pour les hommes en vert avec ce superbe centre de Jefferson et cette reprise acrobatique faite par Walsh qui marque un superbe but. Et on revoit aussi ce superbe centre de Mael Jefferson qui signe sa seconde passe décisive de la saison. 2-0 à la 51e minute de jeu et c'est encore Walsh qui va marquer. Et regardez, c'est une grosse confusion dans la surface de réparation de la part de Salt Lake. On pense qu'il y a faute, les joueurs s'arrêtent de jouer, mais Walsh récupère le ballon, l'arbitre n'a rien signalé. Et ça fait 2-0, but malicieux de la part de Walsh. Il y aura quelques explications entre les défenseurs de Salt Lake et l'arbitre, mais rien n'y fera, ça fera 2-0. Salt Lake qui sera récompensé par un but lui aussi. Assez discutable, du moins sur la vidéo. Et oui, le ballon est bien rentré. On a beaucoup de mal à le voir en vidéo. Mais la télévision mexicaine, qui avait ses caméras à l'opposé de celle des diffuseurs américains, ont fait parvenir cette image avec un ballon qui est bien rentré. Score final, donc 2-1 pour Cincinnati qui continue sa belle remontée. Pittsburgh-Boston 0-0. Un match plutôt terne et à la fin du match, Gallia qui aurait pu donner la victoire aussi, hein, mais sa frappe est beaucoup trop forte. Score final 0-0. El Paso recevait Club Atlético Miami et ce dernier qui a vraiment besoin d'une victoire. Malheureusement, ça va ne pas se passer comme on l'espérait et c'est El Paso qui va ouvrir le score grâce à Quentin Bates. Très beau travail de la part de ses coéquipiers qui font remonter le ballon. En une fraction de seconde, un contre meurtrier et un nouveau but de la part de Quentin Bates. Il va même marquer un second but juste avant la mi-temps, 44e minute de jeu. Les joueurs d'El Paso qui s'offrent un très beau festival et le public est conquis. On revoit encore une fois le ballon qui circule très vite. Une passe et regardez. Quentin Bates qui se retrouve tout seul. Encore une fois, un gros problème défensif de la part des joueurs de Miami. On en a l'habitude. Et Miami qui s'approche d'une nouvelle défaite. Il y aura tout de même, comme à l'accoutumée, une réaction de la part des joueurs de Miami. Et c'est Alan qui va réduire l'écart avec cette belle frappe en dehors de la surface. Le gardien est battu, il est dépité. Mais ce but restera anecdotique. Nouvelle défaite de la part des joueurs de Miami. Et une fois de plus, les jours de l'entraîneur sont comptés. Et enfin, pour terminer, New York Urbans, qui avait donc perdu pour la première fois de la saison la semaine dernière, se rendait à Boston. Et Boston va ouvrir le score grâce à Ensola. On peut remarquer aussi la superbe passe de l'extérieur du pied de Ferreira. Le gardien ne peut rien faire malgré qu'il ait détourné légèrement le ballon. On pense encore à une nouvelle défaite de la part de New York. Il faudra attendre la seconde période pour voir New York réagir. Lucas ayant auparavant loupé complètement le cadre. 1-0 donc pour Boston. Il faudra donc attendre la 60e minute de jeu pour voir un New York à réaction. C'est Joan Segers qui va égaliser. Très bon jeu de passe. Segers qui attend, la frappe de Lucas s'est détournée par le poteau. Et Segers qui peut reprendre victorieusement ce ballon. Un but partout, la machine commence à refonctionner de la part de New York, meurtri par sa défaite la semaine dernière face à Cincinnati. Et 10 minutes plus tard, ce sera De Nicolo qui donnera la victoire à New York. Et le passeur décisif se nomme Lucas. Il faut dire qu'il a vraiment le champ libre pour contrôler et pour centrer. Et De Nicolo qui peut couper
ce ballon 2 buts 1. Score final, nouvelle victoire de New York. Et on va voir après le ralenti le classement de cette 9e journée. Pas de changement avec New York premier 24 points, suivi de Pittsburgh, Cincinnati. Et dans les dernières places, 6e Salt Lake City, 7e Boston Irish et celui qui ferme la marche, Nob Club Atlético Miami, avec toujours aucune victoire à la clé. Cette 9e journée était sponsorisée par Knight Sword, les plus fines lames pour le rasage. A très bientôt.